Yes! Yeah! Good job. OK, entrée dans le chalet. Hello people, on est Alexis MJ et on est nomade depuis 2016. On voyage et travaille sur la route et depuis les dernières années, on vous partage toutes nos aventures sous forme de vidéos. La semaine dernière, on vous a annoncé qu'on mettait fin à notre série de vlogs de voyage. Mais bon, même si on arrête les vlogs, ça veut pas dire qu'on débarque de la map. Hello people! Comment ça va? Hey, aujourd'hui, on n'est pas tout seul, on est avec Alex et Val de Prêt pour la route! Hello! Hello! Allô. Bon, on est avec vous autres, mais on est quand même loin. Oui. Nous, on est en Alberta, vous êtes au Québec. Loin des yeux, près du cœur. C'est ça! C'est donc bien beau! Mais comment ça va? Ben, ça va bien, vous autres! Ben oui, êtes-vous confort dans votre petit chalet? Ah oui, on chauffe au bois. Nous, on est dans la belle chaleur. Cette année, il faut dire que c'est un peu weird quand même que Noël et le temps des fêtes a été annulé. D'où pourquoi on s'est dit que c'était le fun de se reparler en ce temps des fêtes ici. Parce que l'année passée, on a fait une vidéo ensemble spéciale du temps des fêtes. Moi, je m'en souviens très bien. Val, j'imagine que tu t'en souviens très bien, toi aussi. Il habite au lac Titicaca. Avec sa femme molle. Et une trentaine de petits pirouviens aux nombris pointus. On a ri énormément. On s'est dit qu'il fallait qu'on se refasse du fun cette année. Ouais. Fait que cette année, on se fait un nouveau jeu, un jeu différent de l'année passée. Cette année, on va se faire une évasion virtuelle. Pour ceux et celles qui ne savent peut-être pas c'est quoi une évasion, bien, habituellement, c'est des salles d'évasion, des chambres d'évasion. Que tu vas là en personne et tu as comme différents indices. Des énigmes à réaliser, puis éventuellement, il faut que tu sortes de là. Exactement. Fait que là, on va s'en faire une virtuelle qui a été développée par Évasion Mobile, qui sont en fait des amis à nous. Et ce qui est le fun, c'est qu'on peut jouer à distance avec des amis, des membres de la famille. D'où pourquoi on a décidé de faire ça avec Alex et Val aujourd'hui. Juste avant qu'on saute dans l'évasion, moi, je veux juste savoir, Alex et Val, est-ce que vous en avez déjà fait? Puis est-ce que vous êtes bons dans les salles d'évasion? Bien, moi, je pense que on se complète bien là, dans les jeux d'évasion. Puis oui, on a déjà fait un jeu d'évasion grâce à vous, justement, à votre dernière vidéo que vous avez fait là-dessus. On en a commandé des cartes. On a joué un jeu parmi tous les jeux qu'on a reçus. Mais là, avec le déménagement, ben là, décidément, on a perdu ces cartes-là. On sait pas son goût. Fait que là, vous avez comme deux challenges qui vous attendent, genre trouver les cartes puis les faire. Ouais, c'est pas mal ça. All right. Fait que dans le fond, comment ça marche, c'est qu'on a tous les deux ouvert le site web. On a eu des liens spéciaux pour ça. Vous avez la même chose que nous sur votre écran. Fait qu'en équipe, on va essayer de s'évader. On va pas tout vous montrer parce qu'évidemment, s'il y en a qui veulent jouer, on veut pas dévoiler tous les secrets. Fait qu'on va vous montrer quelques étapes. Puis c'est ça, on va voir combien de temps ça va nous prendre. Alex et Val, est-ce que vous êtes prêts et prêtes? Oh oui. Yes. On est prêt pour l'évasion. Vous avez réservé une nuitée dans un chalet extrêmement populaire. Alain, votre hôte WinBnB, lance un défi à tous ses visiteurs. Si vous parvenez à réussir la grande invasion, votre famille et vous pourrez conserver les clés du chalet pendant toute une année. Oh, on pourrait se faire des beaux parties à 2 mètres de distance. Il en fallait pas plus pour que le chalet attire des gens de partout. Il est même réservé des années à l'avance. Voilà 5 ans que vous attendez votre tour et le grand jour est enfin arrivé. Okay. Vous arrivez sur les lieux la veille de Noël. Votre objectif, déverrouiller toutes les portes et les commodités du chalet. Ces 20 dernières années, seulement 4 familles ont remporté leur pari. Serez-vous la 5e à réussir et à empocher les clés du chalet? OK, fait que là, l'idée, c'est de lire les indices. Puis il y a toujours une réponse qu'il faut qu'on insère habituellement au bas de la page ici. Puis c'est ce qui nous permet de déverrouiller la prochaine étape. Okay? Fait que c'est, dans le fond, il faut juste trouver les solutions. C'est la veille de Noël et la magie des fêtes est dans l'air. Les jambes engourdies, vous vous précipitez sur la porte d'entrée, bien fermée par un cadenas. Sans trop savoir par où commencer, vous vérifiez votre courriel de confirmation. L'autre vous aura-t-il transmis un code ou des instructions? OK. Et là, on peut cliquer ici, voir le courriel de confirmation. Bien, on peut checker le chalet vite fait. Oui, c'est sûr que ça rapporte. Mais va lire l'affaire parce que c'est sûr qu'il y a des trucs qu'il faut regarder là-dedans, ces photos-là. OK. Voir le courriel de confirmation. Bienvenue à mon chalet. Il y a des éléments clés pour résoudre des énigmes dans ce courriel de confirmation. Vous allez devoir l'utiliser plusieurs fois lors de votre séjour. Salon, entrée, salle de bain, cuisine, chambre à coucher. OK. Fait que ça, c'est comme toutes les informations. Ce que vous devez savoir. Puis c'est quoi qu'on cherche comme... Qu'est-ce qu'on cherche?
OK. On va retourner, dans le fond, ici. Puis habituellement, ça nous dit qu'est-ce qu'on cherche. OK. Fait que tu vois, sur la page principale, ça dit « Composer un message texte ». Ça nous prend un numéro à 10 chiffres, puis ça nous prend un message aussi. Puis il faut déverrouiller par 4 chiffres. Fait qu'y a-tu quelque chose comme dans le courriel où il y aurait 10 chiffres qu'on pourrait utiliser? Numéro de téléphone, gars, BBQ, propane. Fait que ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, mais c'est ça. Fait que les B correspondent à sûrement à quelque chose. Bien, d'habitude, les lettres, mettons, c'est comme sur un téléphone. Tu sais, le B, ça doit être le 2. T'as-tu mon téléphone pas loin? Checkez ce que ça dit. Instruction d'arrivée. S'il vous plaît, m'envoyez un texto lorsque vous arrivez. Mon numéro de téléphone peut être trouvé à l'extérieur de mon chalet. Ah. Fait qu'il faut checker... OK. Fait que, gars, ils disent barbecue. Attends, on retourne dans le numéro de téléphone. Barbecue, y a-tu des numéros sur le barbecue? Ah, ici. Ah oui, 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 il y en a. Ah oui, il est à l'envers. 618. Écris ça, 618. 403. 1963. 1963. On va l'écrire ici. C'est quoi le numéro? 618. 611. Ouais. 403. 403. 1963. 1963. Puis je sais pas si comme le message, ça peut être n'importe quoi. Genre, on est arrivé. Puis là, on fait genre envoyer un texto. Oh. Salut, je vois que vous avez trouvé mon numéro de téléphone. C'est bien parti. Ben okay. Voyons donc. OK. 3 minutes. Ça fait 4 minutes. On est bien parti. Si 3571 égale 1753, quel code à 4 chiffres vous permettra d'obtenir la clé? 3 moins 2, ça donne 1. 5 plus 2, ça donne 7. 7 moins 2, ça donne 5. 1 plus 2, ça donne 3. Attends, c'est comme... On dirait que c'est une suite. Fait que c'est 2, 2, 2, 2. Bon, on pourrait essayer. 2, 2, 2, 2. Non, mauvaise réponse. Oh non, mais check, guys. 3, 5, 7, 1, c'est l'inverse de 1, 5, 7, 3. Fait qu'il faudrait inverser les chiffres du code. Yes! Yeah! Good job! OK, entrée dans le chalet. Bravo, vous venez de déverrouiller 2 commodités et une première chambre à coucher. Vous remarquez un étui rigide verrouillé par un code à 4 chiffres. Tout près, vous apercevez aussi un tiroir verrouillé par une combinaison à 3 chiffres. Vous invitez le reste de votre famille à vous rejoindre. Vous êtes déterminé à trouver ces 2 codes avant de regagner la pièce principale. OK, fait que c'est quoi qu'on a? On a un étui rigide verrouillé qui est ici. À 4 chiffres. Puis on a aussi un... OK, juste ici en arrière, là, il y a comme un cadenas sur le tiroir. Bien, le cadenas sur le tiroir, il y a comme un cintre. Fait que ouais. Je pense un cintre. Fait que je pense qu'on peut regarder... Il y a un rapport avec le garde-robe, peut-être. Oui. OK, fait garde-robe. Bon point. Il y a encore voir le courriel de confirmation. Fait qu'il devrait avoir quelque chose en lien avec ça. Moi, je pense que ça va être dans les avis à la fin. OK, ouvrir la boîte. OK. Fait qu'il faut ouvrir le tiroir en premier. C'est ça qu'on cherche, OK? C'est fait qu'on cherche 3 chiffres. Si on regarde ici, check les 5, guys. Oui, c'est ça. Sont en 2, sont en... 4. C'est quoi, 2, 4? Combien? Pouvez-vous compter le nombre de cintres qu'il y a? Puis je pense que ça va être nos 3 chiffres séparés. Ouais, il y en a... La première batch, il y en a 2. 2, 4, puis 4, 5, 6, je pense. Attends, non, 1, 2, 3, 4, 5. 5. 2, 4, 5. 2, 4, 5. Ah, yes, c'est ça. 2, 4, 5. J'avais pensé, OK, fait que dans le tiroir, on a... des flèches, okay, fait que ça va 1, 2, 3, 4, ça c'est dans le sens des flèches. On peut faire continuer, là. Ouvrir la boîte. On cherche 4 chiffres. C'est 1, 2, 3, 4. Ben, ça peut pas être 1, 2, 3, 4. Essaye-les pour le fun. On va l'essayer pour le fun. On cherche trop. Non, je l'ai essayé, ça marche pas. OK. Ben, mais quelle est l'horloge? Guys, attends une minute. C'est parce que... il y a l'horloge. Ouais. Ouais. C'est sûr. Mais pourquoi est-ce que le courriel de confirmation, il serait là? Mais je pense qu'il nous suit depuis le début. Non, il était pas là l'autre avant. Là. Il y a un calendrier aussi avec des chiffres entourés en là, je pense. Pour vrai? Calendrier rond. Ouais. Ah oui, ça doit être ça. Gaffe, ah. Ça serait le 14, ça. Ouais, mais attends, le ça fait... 10, le 30 puis le 20. 14. Ouais, mais ça fait trop de chiffres. Non, mais il a dit 1. Ah oh, non, hey, c'est ça, guys. Le dessin là, des chiffres qu'on a dans le tiroir, là, ça faisait une forme. Ah, c'est l'ordre des chiffres? Ben ouais. Probablement. Monte donc, rouvre-les le tiroir, puis je vais regarder voir avec le calendrier. Parce que c'est la même shape. Mais ça, tu viens de le dire. C'est là. OK. C'est 14, okay, 10,
30 puis 20. Oui, Val, elle l'avait trouvé. 14. 14, ouais. 10, ouais. 30 ouais. et 20. Mais c'est ça, c'est que ça fait trop de chiffres. Mais c'est clair que c'est là-dedans, là. Il faut... c'est sûr, 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 sûr. Ouais, ils sont pas du genre à encercler des chiffres sur un calendrier pour aucune raison. Ouais, non, c'est sûr. Peut-être si on additionne chaque chiffre, mettons 1 plus 4, ouais. 1 plus 0, 3 plus 0, fait 2 plus 5, 0. 5, 1, 3, 1, 2. 3, 2. C'est quoi votre théorie? 5, 1, 3, 2. 5, 1, 3, 2. Non. 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 Un gars s'essaye. Mais pourquoi que le courriel de confirmation, il est là? Moi, je pense que le courriel de confirmation, il n'y a pas rapport avec ouais, ça. Moi aussi, ça, j'aimerais trop ça. De... Ça nous amène vers des pistes qui n'ont pas rapport. C'est vraiment, c'est sûr que c'est le calendrier, puis les faut pas aller trop loin des fois. Là. Ben, on peut prendre le prochain indice. Ouais, voir. Ben, oui. Je pense qu'il va falloir qu'on en prenne deux, hein. Non, je pense pas, parce qu'on est rendu à cette cadenas-là. Déverrouillé. Boom! Wow, c'est actually un drone. T'as retrouvé ton vieux Mavic, Norm. Man, on est déjà presque rendu à 40 minutes. Fait que là, on a ouvert le réfrigérateur, on a ouvert le tiroir 1, ouvert le tiroir 2. Est-ce qu'on a ouvert la salle de bain? OK. Pour la salle de bain, trouvez la combinaison. Il y a une affaire sur le frigidaire, ça dit voir comptoir de cuisine. Ah, c'est vrai? Ben oui, toi, voir comptoir de cuisine. Ah, ici... OK, lait au chocolat. Beurre. Brocoli. Pomme, moutarde, fromage, trempette. Fait que tu vois, tous les items, évidemment, sont dans le frigidaire. Tu sais, comme mettons, il y a 3 brocolis, il y a 1 lait au chocolat, il y a 2 oignons. Mais on cherche des directions. Mais non? L'affaire, c'est qu'on cherche des directions, OK? Fait que quand on va ouvrir la salle de bain, ah, c'est okay. Haut. Ben comme mettons, la tablette du haut, c'est lait au chocolat. Ouais. Donc, il est en haut. Il est en haut, mais il est-tu en haut? Il est-tu en haut à droite? Ou il... Non, non, il est non, juste vraiment... haut, droite, okay. Bas, gauche, c'est tout. OK, fait qu'il est en il haut. Il est en haut. Le deuxième thème, c'est quoi? C'est du beurre. Et c'est la deuxième tablette à côté de la mayonnaise à droite. Bon, je vais écrire droite. Après, brocoli, c'est quoi ton lait au chocolat? C'est le brocoli est, en bas. Oui. La pomme. La pomme. Mais tu vois, elle est en bas aussi, mais elle est à droite, elle est à gauche. Oui, mais ça peut être bas pareil. Là. Moi, essayons bas, là, juste pour le fun. Ouais. La moutarde est en haut. Le fromage est à gauche. Ah, OK, je comprends. Puis la trempette, la trempette est droite dans le milieu. Ben ouais. Ah, mais tu vois, trempette, il n'y a même pas de... Il n'y a pas de place pour elle. Il y a juste 6 directions. Ah. Ah. Puis là, tu as un aliment de trop, ça veut dire, dans ton truc. Fait que c'est pas la bonne affaire qu'on est en train de regarder. Ben, peut-être la trempette, comme vu qu'elle est dans le milieu, il n'y a pas de réponse pour la trempette. Essaye, en tout cas, ça marchait pas, on l'a essayé. On l'a essayé, puis ça marchait pas. Vous êtes vite sur l'essayage? Oui, ben on essayait à mesure que vous le disiez tantôt. Mais si on fait juste partir d'un item, puis on se dirige vers l'autre, puis on prend la direction que ça prend pour se rendre au prochain, mettons, au lieu de dire il est placé où dans le frigidaire, là, tu pars du lait au chocolat, mettons, puis tu t'en vas au prochain. On fait que ça serait... Okay. Mais ton lait au chocolat, il est quoi? Mais de c'est bord? Ton starting point. Ben, c'est oui. Ton starting point, puis ça expliquerait pourquoi t'as moins de direction que de nombre d'items. Fait que dans le fond, ça serait bas... Après ça, qui est pour aller après ça au brocoli, ça serait bas encore. Après ça, pour aller aux pommes, ça serait à gauche. Pour aller à moutarde, ça serait en haut. Pour aller au fromage, ça serait en bas. Puis pour aller à la trempette, ça serait à la droite. Bas, bas, gauche, haut, bas, ouais. Droite. Parce que j'avais commencé à aller au chocolat. Wow! Fallait, oh, wow, fallait y penser, fallait y penser. Bravo! Merci. J'aurais jamais eu. Bon, on rentre dans la salle de bain. Hey, il nous en reste pas beaucoup à déverrouiller, là. Bravo! Félicitations, vous avez réussi le défi de la grande invasion. Vous êtes la 5e famille à remporter une année complète dans le chalet virtuel. Wow! Fait que, hey! Comment vous avez trouvé ça? Moi, je trouve ça vraiment le fun parce que c'est comme un combo de toutes nos personnalités qui nous permet de résoudre ça. Parce qu'on dirait que le faire tout seul, je tomberais comme des fois dans une impasse. Puis il y a des affaires que, mettons, moi c'était clair dans ma tête. Puis il y a des affaires que, comme je l'aurais jamais trouvé, mais mettons, ouais. Alex, toi, t'en as trouvé de même que moi, j'arrête pas penser pantoute. Fait que, comme on dirait, notre combinaison de cerveau nous a permis de réussir dans un temps relativement bon, là, pas si pire.
Ben, on est dans moyenne. On est dans moyenne. On a toutes des étoiles du match. C'est ça, on est toutes des MVP. All right, that's it. C'est ce qui complète cette évasion virtuelle. On a bien aimé ça. On veut que vous ayez du fun à jouer vous aussi. Donc, Évasion Mobile vous offre en ce temps des fêtes pour un temps limité un rabais de 50% à l'achat de l'évasion virtuelle qu'on vient tout juste de faire. Donc, cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo ici. Utilisez le code promo qui s'affiche au bas de l'écran. Inscrivez ça et ben vous allez économiser 50% sur votre achat. Si vous êtes intéressé par les cartes d'évasion, ben on vous propose aussi un code rabais où vous pourrez économiser 20% de rabais. Et pourquoi pas un petit concours en ce temps des fêtes. On va faire tirer une évasion virtuelle, donc celle qu'on vient tout juste de faire. 3 cartes pour un total de 4 prix. Pour participer, vous likez la page Alex M. John de Go, la page Prêt pour la route et la page d'évasion mobile. Vous likez la vidéo. Dans les commentaires, dites-nous avec qui vous joueriez et ben, partagez la vidéo sur vos réseaux. Et si jamais vous avez acheté une évasion et que vous gagnez notre prix, mais inquiétez-vous pas, vous allez être remboursé. Yes! Fait que that's it. Ça fait le tour. Alex, Val, merci. Merci à vous. On va se reparler, mais passez un joyeux temps des fêtes. Merci beaucoup, bien vous aussi. All right, on se revoit la prochaine fois. Ciao! Salut! Et dans un arbre. OK. Ah, il est vraiment rentré dedans pour vous. Ouais, ça lui a coûté un drone faire sa chapelle.